John, vous êtes accusé de pain moisi et ce pain as-tu ta classe de français? Je n'ai rien fait. Vraiment? Non. Monsieur le Président? Oui, merci. Maintenant, je veux seulement une victime, quelqu'un qui m'est très semblable. Ah! Bonjour, j'aime l'anime, des jeux vidéo et des jolies filles. Il sera un bon victime. Quelque chose sans mauvaise ressemble au fromage pourri. Ah, aidez-moi au secours. Vous serez la première victime de cette personne. Les policiers sont ici. Je dois faire quelque chose. Qui? Arrête. Déposez votre pain. Arrêtez. Mon pain? Voilà, l'ami. Oh. Je suis ici aujourd'hui au nom de Jean, mon client. S'il vous plaît, présentez votre exposé introductif. Monsieur le Président et le membre du jury, je vous demande, croyez-vous que cet homme, ici, Jean, est à 100% coupable? Complètement coupable? De son compte, qui est sous serment, croyez-vous qu'il soit coupable de tout le crime revendiqué? Mon client est un homme respectable et le crime dont il est accusé ne sont pas des crimes que cet homme a commis. Demandez-vous, pensez-vous qu'il soit coupable? Merci. Donc, qu'est-ce que tu veux dire pour vous-même? Je n'apporte plus de pain pour dîner. Plutôt, j'ai mangé la nuit instantanée. Monsieur le Président, j'ai une personne qui a vu le suspect avec le pain. Est-ce que je peux présenter un témoin? Oui, présentez le témoin. Je présente Yuki. Il a dit qu'il avait vu le pain aussi de Jean dans son sac à dos. Yuki, est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Ceux qui m'entendent, ce serment seront persécutés. Je comprends. Bien. Donc, c'était un vendredi dans le cours français. Vers 2h de l'après-midi, si je me rappelle correct. Voyez-vous l'assassin? Oui, je le vois. Lequel? L'homme qui porte la veste noire. Ah, John. Comment avez-vous John avec le pain? J'étais sorti de la classe parce que j'avais mal à l'estomac. Quand je suis retourné des toilettes, j'ai vu Jean avec un masque à gaz sur le visage. Il a fermé un sac à fermeture éclair. Mais je n'ai pas vu que ce qui était dans le sac. De plus, toute la classe avait la tête sur la table. Je pense qu'il jouait un jeu, mais le professeur ne met pas sa tête sur la table quand il y a un jeu. J'ai eu un très mauvais sentiment. Rien d'autre? Non, j'ai couru. Qu'avez-vous dit à John après? Rien. Après l'avoir vu, j'ai cru que si j'avais parlé à Jean, il m'aurait tué. Entendez, le témoin n'a pas d'évidence. Je ne crois pas qu'il ait une description fiable. Plus soutenu, la police n'a encore trouvé le masque à gaz. Si. Non, Monsieur le Président. Lorsque nous faisons confiance à ce témoin,
nous n'aurons l'évidence pour ce procès. Ce témoin n'est pas fiable. Permettez-moi d'interroger le témoin, Monsieur le Président. D'accord. Procédez à l'interrogatoire. Monsieur Yuji, qu'est-ce qui vous avait fait en lieu de crime? De rien. Je marchais au supermarché pour acheter de la nourriture. Mais le record a indiqué que vous avez une relation familiale avec la victime. Alors, avez-vous des preuves de votre excision? Non. J'étais interrompu par l'attaque. Par conséquence, vous n'en avez pas. Le membre du jury, ne le trouvez-vous pas inquiétant que l'accusation soit construite sur la preuve très fragile? Le jury, qu'est-ce que pensez-vous? Coupable ou non coupable? Pouvons-nous y réfléchir pour un peu? Bien sûr. Il y a beaucoup d'évidence contre le suspect. Oui, mais le témoin est très suspicieux aussi. Je pense qu'il semble un bel accord. Vraiment. Donc, nous sommes prêts pour le verdict. Oui. Quelle est votre décision? Coupable. Jon Snow, vous êtes coupable du crime du meurtre de plusieurs personnes. Monsieur le Président, j'ai reçu un appel de la police. Il est confirmé que Jon est le meurtrier. Non, je suis non coupable. Non!